Bienvenue à Prescription Pop Fucking Rock, comment vas-tu? Ah oui, je me suis torché toute la fin de semaine, fait que là c'est le désastre total dans mes intestins, mais je suis là pour toi, Eric! Écoute, je sais ce que t'as passé au travers, j'ai passé au travers moi après mes 4 jours de spectacle. Et voilà, je me suis dit... Je t'en vais au combat moi aussi. On meurt toute une fois par semaine, moi c'est à tous les jours. Chucky, je suis content de te revoir. Oui. Écoute, c'était une expérience super le fun de t'avoir le dernier coup. Tu reviens nous voir, il y a tellement de choses encore dans l'univers de Chucky McDonald qui se passent. Oui. Écoute, ça n'arrête pas. Tout se passe. C'est un monde en ébullition. Toujours. Fait que tout est possible, il y a plein de choses là vraiment qui se passent à Québec, Rock City, Ville du Rock. Donc je suis le personnage promoteur et artiste et whatever the fuck qui fait tout plein de choses. Donc on a le cercle fermé récemment, donc on a un gros gap là, pour avoir des spectacles. Mais heureusement le Chocosaur est là pour vous et on a trouvé une nouvelle salle de spectacle qui s'appelle l'Air du Temps. Donc l'ancien fucking boudoir qu'on n'allait pas parce que c'était de la merde. Mais là c'est vraiment fucking cool, il y a genre 50 bières en fût, il y a une grosse salle de spectacle, il y a une table qui lève pour que le monde y meure, puis on se fait poursuivre les assurances. Et en bas, il y a le Meltdown aussi, qui est une autre place vraiment unique à Québec, là, vraiment avec une communauté là, geek un peu à la Scanner, mais vraiment du monde que je vois nulle part ailleurs. Fait que là, l'Air du Temps, je suis rendu le directeur de la programmation et des communications à l'Air du Temps. Fait que je vais m'occuper pour que ça soit vraiment un gros booking festif, incroyable, puis on va tous se torcher à gueule à chaque jour, là-bas, à l'Air du Temps. Fait que je m'occupe de ça pour l'instant. J'ai lâché ma job au Denis Music, donc un job que j'avais depuis 2 ans. Donc si vous cherchez le Chocosaur au Denis Music, il ne sera pas là dans les prochains temps. Sinon, ben c'est ça. On a aussi la fête de la musique qui s'en vient. Donc je suis dans le comité de la programmation pour ça. Donc on va avoir, comme l'année passée, un stage production Rock City. Donc ça va être une thématique rock, bien sûr. Fait qu'on va avoir le samedi et le dimanche que je vais avoir des bands qui vont venir se torcher à face avec moi. On va faire plein de photos. Oh, c'est complètement débile. Fait que si pour les inscriptions sont en route maintenant pour la fête de la musique et pour l'Air du Temps, en fait, si vous voulez me rejoindre, c'est bookinglairdutemps@gmail.com. Fait que parlez-moi pas sur Facebook, je vous répondrai peut-être pas pour ça, mais en fait, je suis en train de monter ça. Fait qu'au mois de mai, on va commencer avec une programmation complète à l'Air du Temps avec plein d'affaires complètement fuckées. On va essayer de monter ça, cette place-là, pour que ça fonctionne puis qu'on ait une place pour tous. Ouais. Comme d'habitude! Toujours! Mais c'est cool, c'est vrai que c'est une belle place. Ouais. Comme tu dis, il y a une cinquantaine de bières de micro-brasserie. Ouais. La place est grosse. Je savais pas qu'en bas, ça avait un nom, je pensais que c'était ouais. Le faire du le Meltdown. Ouais. À surveiller vraiment. Bah ouais, si vous êtes gamer, vous voulez jouer, vous pouvez gamer, vous pouvez. Il y a des labs comme dans le temps. Ouais! Ouais. Toute la gang avec nos ordi. On a amené nos ordi chez. Mais là, ils sont tous installés, complètement. Ouais. Une ambiance un peu post-apocalyptique avec des barils et des trucs assez fucked up. Fait qu'il y a vraiment une crowd précise pour ça. Puis moi, je vais builder la crowd pour en haut pour que ça soit une nouvelle place. Parce que là, on avait le cercle qui est fermé, ça fait un gap, tout le monde capote. Je pense que c'est un nouveau épicentre. C'est sûr que Saint-Joseph, tu sais, c'est en train de devenir un peu Grande Allée. Tu sais, le district, le 222, le Shaker qui rouvre aussi. Fait que tu sais, il y a plein de choses qui se passent là. Mais on tripe pas parce qu'il faut une place avec des événements cool. Moi, je pense que l'Air du Temps va devenir la prochaine place cool à Québec pour faire des événements. On veut que la scène locale joue. On veut qu'il y ait des événements, comme tu le dis. Il se passe de quoi au Québec? Toujours. C'est le fun de le voir, puis c'est le fun de voir les artistes qui se donnent corps et âme, comme Chucky McDonald. Le Chocosaur, donc! Hey, écoute, le peu album, qu'est-ce qui s'en vient pour Chucky musicalement? Restructuration du band, présentement, j'ai trouvé un nouveau drummer, peut-être je peux l'annoncer, mais on n'est pas encore officiel. T'sais, j'ai trouvé un drummer qui était d'un band assez connu, qui pue dans ce band-là, fait que là, j'ai ça, je suis en train de builder. Peut-être trouver un deuxième guitariste, bassiste, tout ça, mais c'est tout un peu sur la glace, parce que là, j'ai tellement de fucking shit à régler avec l'Air du Temps, les autres projets. Un autre projet qui s'en vient, qui est parallèle à tout ça, c'est le Chucky Show. Donc le Chucky Show, moi ça fait longtemps que je veux faire ça, c'est une espèce d'émission web, live, multicam. Donc j'ai busté mes cartes de crédit, j'ai acheté des mixeurs vidéo puis des caméras. Donc ça va se passer à l'Air du Temps à partir du mois de mai. Ça va être probablement bimensuel, donc 2 fois par mois, le mercredi, le Chucky Show. Ça va être comme un talk show. Ça va être un talk show avec des invités, des prestations, tout ça, mais vidéo sur Facebook Live. Fait que vous pouvez venir vous torcher la face avec les 50 bières en fût, puis en même temps, ben moi je suis là, puis je fais l'animation, puis tout ça. Fait que ça va être un nouveau concept que je pense qu'il se fait pas encore à Québec, parce que on a toujours l'aspect avec nos sets, tout le monde fait des espèces de Facebook Live, comme en ce moment je me fais filmer, tout ça. Mais avec une émission thématique qui va faire en sorte de mettre en valeur toutes les espèces de personnages un peu de la ville qui existent. T'sais. Fait que je vais inviter du monde fucked up, je vais inviter des bands, puis ça va faire en sorte que tout le monde va pouvoir contribuer à la scène. Écoute, et voilà. Invite-moi quand tu veux, je trouve le concept écœurant. Ouais. Beaucoup de plaisir. Oh, ouais.
Écoute, Chucky, oui. On a t'as une générosité infinie. J'ai des boîtes infinies aussi dans ma cave. On a des t-shirts, on a des CD. Ouais, on a trois paires de CD, deux t-shirts. On a deux t-shirts, trois CD. Ouais. Fait que les cinq premières personnes qui m'écrivent, m'appellent, peu importe, yes. Ça va être dans la case de prescription punk rock. Vous allez être les heureux gagnants d'un beau kit de deux CD et sinon un t-shirt. T-shirt, ben oui. Fait que Chucky, merci de t'être déplacé. Ça fait vraiment plaisir. Punk rock. Ce qui est le fun avec toi, c'est que t'es hyper actif, fait que ça se défile vite. Non? Ouais, c'est ça. Clac, 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 clac. Est-ce qu'on a passé tous les il points? Il y a pas de carton à rien! Même malade, il est capable. Non, c'est ça, même malade. On deliver de marchandises comme à chaque fois. Fait que l'air du temps à surveiller, contactez-moi pour ça, pour les bookings. Après ça, la fin de la musique, les inscriptions sont en ligne. Le Chucky Show s'en vient bientôt. Et Chucky McDonald va être de retour en force avec son fucking band pour vous torcher les oreilles et le visage et vous dévisser le crâne, bien sûr. Et vous dévisser le crâne, bien important, bien sûr. Mais il la replace gratuitement après, alors pour vous profiter d'un autre événement. Oui. Tout le monde se ressuscite toujours. Man, je t'adore viscéralement. Je t'aime d'un amour tridimensionnel. En fait, c'est juste les cheveux. C'est fini. Ouais, c'est ça, les cheveux, ça fait partie du concept. Ouais. Hey, on y va bien sûr avec toi. Encore une fois, on répète, les cinq premières personnes qui rentrent en contact avec moi, écrivez-moi sur Facebook, Eric Bed. Sous prescription punk rock ou tout simplement appeler là à la station, puis vous êtes l'heureux gagnant, soit d'un t-shirt ou bien sûr d'un CD de Chucky McDonald. Hey, on y va avec. Je sais pas qu'est-ce que ça tente d'entendre. Je te laisse ta demande spéciale sur. On va mettre. C'est dur. On va mettre Lonely. Ça va être une tune un petit peu plus grunge que la dernière qu'on a entendue, mais c'est Lonely. Je pense que c'est la. Je m'en rappelle même plus c'est quoi le listing sur mon album. Numéro 2! Chucky McDonald, merci. Allez, bien sûr, sur les internets, AD Chucky, Facebook, tous les liens. Instagram, c'est le dude qui prend les selfies les plus hot à Québec, man. Oh oui! C'est ça qui se passe, je suis le Chuckosaur et tout est possible à Québec Rock City! Allez, sur les ondes de CKRL 89.1, Chucky McDonald! Spider-Man, you guys.